Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 7 octobre 2010 pour le site boursecoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons eu une belle séance d'hésitation, très volatile, hein, nous avons beaucoup d'amplitude sur cette séance. Une bougie qui a beaucoup plus d'ombre que de corps, donc vraiment une bougie très hésitante qui s'apparente presque à un doji. Donc là, c'est pas un doji, mais il y ressemble fortement. Il aurait fallu que le corps soit un peu plus fin encore. Mais on va le voir ici, c'est une bougie qui montre bien l'ambiance générale des marchés actuels. Effectivement, on va naviguer entre des plus hauts et des plus bas. Le marché ne sait pas trop où il va. Certains disent qu'il marche sur la tête. Aujourd'hui, donc, nous avons ouvert à 3765,77. Le plus bas a été marqué en matinée à 3732,45. Le plus haut à 3799,71. Pour finalement venir clôturer à 3770,47. Nous gagnons au final 0,15% sur la séance, 5,5 points gagnés sur le CAC. Donc, bon, une petite hausse, c'est pas trop la hausse qu'il faut retenir dans ce genre de séance, c'est vraiment la configuration chartiste. On a vraiment une grande hésitation, hein, une baisse ce matin, suivie d'une hausse dans l'après-midi, et puis finalement, on vient se stabiliser proche d'un point d'équilibre. Hein, les 3770 a été tout au long de la séance le point milieu, hein, autour de valeur autour de laquelle le CAC a longtemps hésité. Et puis bah, finalement, on se rend compte, hein, ça fait un petit moment que je vous parle de cette zone comme une espèce de zone d'équilibre. Ce n'est pas pour rien si cette zone correspond à peu près à l'axe de symétrie du diamant, hein, que nous avions eu là, même s'il n'a pas été validé au niveau de son objectif, ben, la figure elle reste. Donc on voit bien ici que c'est une zone d'équilibre dans laquelle les marchés ont du mal à sortir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. On voit bien ici, là nous sommes venus consolider et les cours sont rapidement venus réintégrer cette zone. Au niveau de la tendance, donc on marque un plus haut que la dernière séance. Par contre, au niveau des plus bas, on peut dire que la tendance très court terme est interrompue puisque le plus bas vient se mettre plus bas que la dernière séance. Donc au passage, nous comblons le gap qui était resté, le tout petit gap, hein, il y avait 2 ou 3 points qui étaient restés ouverts lors de la dernière séance. On vient donc combler ce gap et on vient clôturer ici proche du niveau d'équilibre. Ce que l'on peut retenir, bon, c'est ici, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, hier, je vous donnais un objectif à 3800 points. Si on cassait les 3780, eh bien, cet objectif a été rallié, hein, puisque nous sommes arrivés à 3799,71. Bon, ça fait un peu comme hier, hein, quand avant-hier, je vous avais donné les 3780. On fait 3779,71 et là on fait 3799,71. À chaque fois il manque 29 centièmes. Donc bon, il faudra peut-être que je rabaisse mes objectifs de 29 centièmes pour être pile poil sur les bonnes limites. Bon, je blague. Donc voilà, hein, cette zone ici des 3800 a provoqué une forte, une consolidation, hein, donc une rechute des cours vers ici cette zone. Bon ben voilà, dès qu'une nouvelle macro envoie les cours hors de cette zone, et ben finalement cette zone est toujours réintégrée. Donc la tendance court terme passe à neutre, hein, puisque tant que nous sommes ici dans cette espèce de bande de neutralité, ben, on ne peut pas vraiment trop dire, il n'y a pas vraiment de dynamique, donc on ne sait pas trop où on va aller. D'ailleurs, bon, c'est ce qui nous disent aussi les indicateurs, hein. On a un RSI bien au milieu, hein, 57 points. Ici un stochastique qui lance des signaux même plus dans les zones de surachat, sur vente, on lance des signaux un peu n'importe comment qu'on invalide. Le MACD, lui, qui nous avait vendu un signal haussier, est toujours sur ce signal. Hein. On voit ici les histogrammes verts, hein, qui correspondent. Alors les histogrammes verts, hein, j'ai changé cet indicateur, hein, grâce à mon ami Stéphane. En fait, quand ils sont verts, ça veut dire que la progression des histogrammes est haussière, et ils sont rouges quand la progression est baissière. Hein. Donc c'est un repère visuel. Je remercie Stéphane d'ailleurs pour sa participation et pour les nombreux d'indicateurs qu'il a laissé dans le forum. Et puis bah, au niveau des volumes, voilà, nous sommes dans la moyenne, donc vraiment pas grand chose à dire au niveau de cette tendance. On ne sait pas trop où on va, donc voilà, tendance neutre. Ici on commence à avoir un espèce de plafond de verre à 3800
3 800 points qui n'ont été dépassés qu'une fois depuis maintenant presque 2 mois. Bon, cela est compensé aussi par le fait que l'euro commence à être vraiment très cher. Donc tout le monde sait qu'un euro, un euro fort, limite les exportations et donc pourrait brider, si on veut faire un peu de fondamental, pourrait brider donc les industries européennes et donc françaises. Et donc du coup, les indices auraient du mal à passer en fait cette zone tant que l'euro se situe à des niveaux aussi élevés. Compte tenu de cette séance, au niveau des signaux donnés par le site boursicoté.com, là nous avons un signal qui s'était déclenché hier, à la cassure des 3 750 points à la hausse. J'avais donné un signal de vente à 3 800 points. Donc là, bon, pour moi, le signal a été validé, surtout que je vais vous le faire voir à l'instant. Au niveau, si on adopte une vision intraday, voilà, on s'aperçoit en fait que lors du plus haut ici, alors en plus au niveau des CFD, nous avons un plus haut à 3 799,8, donc l'objectif était quasiment atteint. On a un signal ici que beaucoup de chatters du site connaissent bien, hein, qui s'appelle un hors-bol. Et donc ce hors-bol a provoqué, vous voyez, une petite tendance baissière qui s'est prolongée jusque pas loin de la clôture. Et donc personnellement, l'objectif ici me paraît valide, même s'il s'agit de quelques points. Beaucoup de membres du site reconnaîtront ce signal, hein, que nous avons maintes fois expliqué pour en connaître le fonctionnement. Encore une fois, ce signal n'a pas menti, il a provoqué une baisse. Et d'ailleurs, félicitations à notre ami Terric qui l'a suivi avec le succès que l'on connaît puisqu'il nous l'a décrit sur le chat. Donc un signal quasiment que je valide comme gagnant. De toute façon, le stop était financé, donc nous ne sommes pas venus ici chercher les 725, hein, le stop initial. Donc à partir du moment où le stop, même si vous l'aviez mis là, se trouve plus haut, eh bien le signal vous apportera forcément un gain. Donc je rappelle que ces signaux sont mis à disposition gratuitement sur le site et tous les soirs après la fermeture des marchés américains. Ils sont là pour vous aider à apprendre notamment à gérer votre money management et à gérer donc des signaux qui sont relativement simples, basés sur des signaux de breakout avec un money management assez prudent. Au niveau donc du Forex, nous avons toujours un euro dollar ici qui se situe dans son trend, hein. Donc j'avais préconisé ici une consolidation sur 1,3860. Bon, nous ne sommes pas venus chercher cette valeur, donc il n'y a pas eu de signal Forex donc sur cette séance. Quand on regarde vraiment en détail au niveau de la progression dans le trend, il est vraiment difficile de se placer pour une hausse, hein. On a vraiment des indicateurs qui sont très hauts. Ici, on voit qu'on a une phase de retournement et le RSI est bien au-dessus dans sa zone de surachat. Donc voilà pourquoi je ne donne pas de breakout dans ces cas-là. C'est parce que lorsqu'on est en surachat, je préfère préconiser un retour sur les cours avant de jouer un prochain objectif haussier. C'est ce qui avait marché, hein, lors de ce signal-là, puisqu'on avait ici, on s'était servi de ce plus haut pour venir chercher un point d'entrée et profiter de la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité, votre participation sur le site. Bonne soirée à vous tous, bonne chance dans vos trades et moi je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.